Et si vous aviez été trompé tout ce temps? Et si celui que vous voyez régulièrement dans les polémiques, dans les rencontres avec des personnalités comme Bill Gates ou même quelquefois sur scène, n'était pas le vrai Maître Gims? Et si c'était simplement l'un de ces fameux sosies, si parfait qu'il pourrait même tromper les plus grands fans de l'artiste? Pardon? Pardon? Vous avez sûrement déjà entendu parler de sosies, ces personnes capables d'imiter à la perfection la voix, le style, voire l'apparence physique de célébrités. Mais ce que nous avons découvert au cours de notre enquête va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ces sosies ne sont pas que de simples imitateurs vocaux de Gims. Ils pourraient littéralement remplacer Gims sans que personne ne s'en aperçoive. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler quelques informations exclusives sur ces sosies, des détails que même les plus grands fans de Gims ignorent. Ah ! Que vous soyez un admirateur inconditionnel de l'artiste ou simplement curieux, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur lui. Pour faire les choses en ordre, nous allons d'abord vous présenter dans la première partie de cette vidéo, 4 sosies vocaux de Maître Gims, capables de reproduire sa voix avec une précision déconcertante. Ensuite, dans la seconde partie, nous passerons aux sosies physiques, ces personnes dont la ressemblance avec Gims est si frappante qu'elle pourrait facilement passer pour lui. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car le dernier sosie pourrait bien vous surprendre plus que tous les autres. Oh, ça c'est pas très gentil. Première partie, les sosies vocales de Gims. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans retire, parfois tu sens mon cœur qui s'endurcit. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Numéro 4, le sosie albanais. Et puis il essaye de faire la même voix, Gims. Ah mais grave. Le morceau s'appelle « De Sinkien ». Mais c'est de la merde ! Parmi les nombreux sosies vocaux de Maître Gims, celui qui se démarque particulièrement est un artiste d'origine albanaise. Sa ressemblance vocale avec Gims est si troublante qu'on pourrait peut-être croire que c'est Gims lui-même qui chante. Ce sosie a attiré l'attention non seulement des fans, mais aussi de certains proches de Gims. En effet, il a même été validé par le FA, un ancien coéquipier de Gims au sein de la section d'assaut. Ouais, ouais, non mais c'est le Maître Gims, il a étudié tout Maître Gims. Mais j'aime bien moi ce que j'entends là. C'est pas trop bas, chat. Qui a salué la précision avec laquelle ce sosie imitait le style vocal de Gims. Ce qui rend ce sosie encore plus fascinant, c'est qu'il a réussi à se faire connaître sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues et de commentaires admiratifs. Et bien que Gims soit au courant de l'existence de plusieurs de ses sosies, celui-ci semble avoir capté une attention particulière. C'est pourquoi il est le premier que nous avons choisi de vous présenter. Sa capacité à reproduire la voix de Gims est telle qu'elle pourrait facilement tromper les oreilles les moins averties. Numéro 3, Bayoussard. Je sais, le sosie vocal de Gims. Maître Gims. Bayoussard est un autre talentueux sosie vocal de Maître Gims qui a su se faire remarquer. Si vous fermez les yeux en l'écoutant chanter, vous pourriez facilement croire que c'est Gims en personne. Bayoussard a cette capacité étonnante de capturer non seulement la tonalité de la voix de Gims, mais aussi l'émotion qu'il transmet dans ses chansons. Il a fait sensation lors de son passage dans l'émission Touche pas à mon poste, où il a littéralement envoûté le public. 1, 2, 3. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans retire. Parfois tu ressens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Ah ouais. Sa voix hypnotisante a instantanément changé l'ambiance sur le plateau, rappelant à tous à quel point la voix du maître peut être thérapeutique. Bayoussard n'est pas qu'un simple imitateur. Il incarne véritablement l'esprit et le style vocal de Gims, au point où même les fans les plus fidèles pourraient s'y méprendre. Mais ce qui le distingue des autres, c'est sa capacité à jongler entre imitation et originalité, ajoutant parfois sa propre touche tout en restant incroyablement fidèle à l'original. Son talent ne se limite pas à la simple reproduction. Il sait comment captiver et surprendre, ce qui fait de lui l'un des sosies vocaux les plus impressionnants que nous ayons rencontrés. Numéro 2, le sosie récent. Parmi les nouveaux visages qui émergent dans l'univers des sosies de Maître Gims, ce sosie récent a particulièrement attiré l'attention ces derniers temps. Découvert dans une vidéo YouTube de l'influenceur Amixem, ce sosie a surpris de nombreux spectateurs par sa ressemblance vocale et physique partielle avec Gims. Oh no way! C'est une dinguerie, comment c'est lui là, c'est ouf, putain! 1,50€ avec nous. Vous allez bien? Oui, mais arrête! Et toi, Fif? Toujours très très bien. C'est une dinguerie. Dans cette vidéo, il était entouré d'autres sosies de célébrités comme Rihanna, mais c'est lui qui a le plus marqué les esprits. Bien que sa ressemblance physique avec Gims ne soit pas parfaite, c'est incroyable. Attends juste, c'est 50 Cent ou Maître Gims? Mais c'est Maître Gims! C'est tout, parce que c'est pas que la tête, c'est vraiment la carrure et tout, genre c'est une dinguerie. Toi, t'es pas tranquille dans la rue. Tout à fait. Mais c'est la voix en plus, non mais c'est... Mais si ça le saoule trop, c'est le rire. Sa voix réussit à capturer une bonne partie du timbre unique de l'artiste. Ce qui rend ce sosie intriguant, c'est sa capacité à mêler des traits de Gims avec ceux d'autres célébrités, notamment 50 Cent, créant une confusion amusante pour ceux qui le découvrent.
En le voyant pour la première fois, on pourrait penser qu'il s'agit d'un mélange entre les deux stars, ce qui lui donne une identité unique parmi les autres sosies. Son talent se révèle surtout lorsqu'il décide de chanter. Tu chantes ou pas? Non, tu chantes. A cappella? Ouais, bah vas-y, vas-y, go, go. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una vacina, il se sea do, e nostro falso si fecto. Lorsqu'il fait un petit a cappella du morceau emblématique Bella Ciao, la ressemblance devient encore plus frappante. Sa prestation a suffisamment de justesse pour évoquer immédiatement Gims, tout en laissant entrevoir une touche personnelle qui le distingue. Il est évident qu'il n'en est qu'au début de son parcours, mais avec un tel potentiel, il pourrait bien devenir l'un des sosies les plus reconnus de Maître Gims, et pouvoir pourquoi pas monétiser ce talent dans une société actuelle où l'économie de l'attention ne fait que créer des millionnaires. Numéro 1, le sosie albinos. Dans le fameux monde des sosies de Maître Gims, l'un des plus surprenants et fascinants est sans doute le sosie albinos. Ce n'est pas tous les jours que l'on rencontre un sosie qui, malgré sa condition physique particulière, réussit à capturer l'essence vocale d'un artiste aussi distinctif que Gims. Ce sosie albinos, que l'on pourrait qualifier de le plus noir des albinos, a impressionné les internautes par sa capacité à reproduire la voix de Gims avec une précision étonnante. Sans avoir besoin d'un accompagnement musical, il parvient à toucher les cœurs avec ses interprétations a cappella des morceaux emblématiques de l'artiste, comme Tant pis. On m'avait prévenu pour connaître les bonheurs. Faut prendre des coups, accepter la douleur. Nombreux sont ceux qui veulent me le voir à terre. Abandonner, c'est pas dans mon caractère. Ce n'est pas seulement la justesse de sa voix qui étonne, mais aussi l'émotion qu'il arrive à transmettre, évoquant le style profond de Gims. Découvert sur TikTok, ce sosie a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances authentiques qui font honneur à l'artiste original. Sa différence physique, loin d'être un handicap, ajoute à son charme et à l'impact de ses prestations. Il montre que l'identité d'un artiste peut survoler les apparences et se manifester à travers la passion et le talent, même chez quelqu'un d'aussi unique que lui. Ce sosie albinos démontre que l'art ne connaît pas de limites et que la musique de Gims a une portée universelle, capable de toucher et d'inspirer des personnes de tous horizons. Une chose est sûre, sa voix mérite d'être entendue et son talent n'est pas près de passer inaperçu. Deuxième partie. Les portraits crachés. Maintenant que nous avons exploré les sosies vocaux de Maître Gims, passons à ceux qui lui ressemblent physiquement de manière étonnante. Ces sosies sont souvent confondus avec Gims lui-même, tant leur ressemblance est frappante. Ils sont deux et le deuxième est de loin celui qui peut porter confusion même devant sa propre femme d'Emdem. Numéro 2, Johan Dupas. Le premier de cette catégorie n'est autre que Johan Dupas, un ancien boxeur professionnel français. Avec son impressionnante carrure de 1,95 m et ses 110 kg, il est difficile de ne pas remarquer la ressemblance physique frappante qu'il partage avec Maître Gims. Ce n'est pas juste une question de taille ou de poids, mais de l'ensemble du visage, des traits marquants qui rappellent immédiatement l'artiste. Johan Dupas, connu pour sa carrière de boxeur où il a affronté certains des plus grands noms du sport, a récemment pris sa retraite pour se lancer dans une nouvelle aventure en ouvrant un bar de nuit à Caen. Mais même en dehors du ring, sa ressemblance avec Gims continue de faire parler d'elle. Quand on le voit, on pourrait presque croire que Gims a un frère jumeau secret. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la manière dont cette ressemblance va au-delà de l'apparence physique. Johan incarne un peu de l'aura de Gims, ce charisme tranquille, cette présence imposante qui attire l'attention sans avoir besoin de dire un mot. Quand il se présente dans des événements, il n'est pas rare que des fans de Gims s'approchent, confondant les deux hommes. Imaginez la surprise de ses fans lorsqu'ils réalisent que ce n'est pas leur idole mais un sosie incroyablement fidèle. Et bien que Johan soit maintenant retiré du monde de la boxe, sa carrière en tant que sosie involontaire de Gims est probablement loin d'être terminée. Numéro 1, le sosie figé dans le temps. Et si je vous disais qu'il existe un sosie de Maître Gims qui, bien qu'immobile, semble capturer l'essence même de l'artiste dans les moindres détails? Ce sosie ne chante pas, ne danse pas, mais il est tellement réaliste qu'il pourrait vous tromper. Son regard perçant, sa posture imposante et son style légendaire sont reproduits à la perfection. Imaginez une version de Gims figée dans le temps, une image de lui qui ne vieillit jamais, qui reste à jamais dans sa splendeur. Ce sosie particulier a été conçu pour être admiré par des milliers de personnes chaque année. Mais qui est-il vraiment? Certains ont pu l'apercevoir dans des lieux où l'art et la célébrité se rencontrent, où les plus grandes figures du monde sont immortalisées dans des détails époustouflants. Vous l'avez peut-être deviné, il ne s'agit pas d'une personne en chair et en os, mais bien de la statue de cire de Maître Gims. Tu mens, il ment. Exposée au célèbre musée Grévin à Paris depuis 2017, cette statue est le fruit d'un travail minutieux réalisé par des artisans de renom. Chaque aspect de l'artiste, de ses lunettes emblématiques à son style vestimentaire unique, a été recréé avec une précision incroyable. Lors de son inauguration, même les fans les plus avertis ont été stupéfaits par la ressemblance. Ce sosie figé est un hommage à l'influence et au succès durable de Maître Gims dans le paysage musical.
Voilà, vous connaissez désormais les sosies les plus impressionnants de Maître Gims, qu'ils soient vocaux ou physiques. Ses talents, qu'ils soient dans l'imitation de la voix ou dans la ressemblance physique, nous montrent à quel point l'influence de Gims est profonde et étendue. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire lequel de ces sosies vous a le plus bluffé, et surtout, si vous pensez en connaître d'autres que nous aurions oubliés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous feront plonger encore plus loin dans l'univers fascinant de Maître Gims et d'autres grands noms importants d'origine africaine. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.